Ok, alors, on a dû s'adapter. On a été créé, on va le voir, en 1970. Et qu'est-ce qui est très challenging, c'est qu'on a une diversité de membres. Et si on revient à la facilitation médiation, évidemment, on a une série de visions et d'approches différentes et de moyens pour y parvenir. Alors, depuis 40 ans, on a essayé non seulement d'établir un cadre de référence normative. On a une charte, on a des éléments de droit, même si c'est du soft law. Et puis également, on a essayé de construire une doctrine. Et puis également, on a essayé de mobiliser des moyens au fur et à mesure que la communauté francophone s'est élargie. On est passé de 1970, date de création de l'Agence Coopération Culturelle et Technique, à, en 2015, 80 pays membres. État et gouvernement, les derniers étant, surtout ne riez pas, parce que des fois ça suscite une hilarité, des fois une incrédulité et des fois un émerveillement, puisque nous avons accueilli en 2014 le Mexique et Costa Rica. Très bien. Bon. Alors vous l'avez vu, de la Tunisie en passant par le Mali et tout récemment le Burundi, des personnes ici présentes pourront témoigner de l'action et de l'activité de la francophonie. Je pense au professeur Alain Sy, qui a été partie prenante de missions d'observation. Je pense aussi à notre collègue Amaoudi, qui est indirectement, en tant que spécialiste universitaire de la francophonie, mais qui actuellement est au Mali, et d'autres personnes sur ces terrains d'opération qui ont eu à côtoyer pour le meilleur, je l'espère, et pas pour le pire, l'action de l'organisation de la francophonie comme acteur de la médiation et facilitation dans les pays d'Afrique subsaharienne. J'espère que je ne parle pas trop vite. Ça va ? Ça va pour vous ? Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous abordions aujourd'hui dans cette communication les trois points suivants. Ça va aller assez rapidement. Pourquoi je vous parle d'une spécificité, d'une approche francophone ? Il faut quand même faire un peu d'histoire, un peu savoir à qui vous avez affaire en termes d'institution, ses caractéristiques, pardon. Je l'ai dit, le cadre normatif, la pratique, et puis dans un deuxième temps qui sera peut-être plus intéressant pour vous, et de confronter avec votre pratique sur le terrain par des cas de pays. Je vous propose un peu le passé pour que vous ayez une idée de l'expertise de la francophonie, et peut-être plus le présent, passant par le Mali, le Burundi, et même si c'est un peu plus bas que le Sahara, de parler de Madagascar, parce qu'on a la chance d'avoir Alain Sy qui pourra être illustrer ce qu'on fait et les limites de ce qu'on fait, puisque on n'est pas ici pour être dans la langue de bois. Et puis aussi vous convier, compte tenu de votre expertise, à des pistes de réflexion. On est censé faire, parce qu'on est petit, parce qu'on est le plus petit. Le Commonwealth n'est pas qui est l'équivalent n'est pas aussi impliqué que nous dans les questions de médiation et félicitations. Évidemment, aux côtés de l'ONU et aux côtés des organisations régionales ou continentales, évidemment, on n'est pas micro. Des fois, on apparaît comme nano. Mais le nano, parfois, fait la différence, je l'espère. Et aussi, cela nous oblige à nous remettre souvent en question et peut-être à faire mieux que les autres. Et puis de l'audace, parce que j'aimerais recueillir, j'ai besoin de sortir de cette expérience avec vous, de co, avec des idées nouvelles, puisque je suis en charge de la prospective, et je suis tenue, quand je rentrerai à Paris, de proposer des choses extraordinairement disruptives, innovantes et dérangeantes. Donc je compte absolument pour vous de l'audace et encore de l'audace. Merci.
Alors, je vous l'ai dit, ça c'est juste pour faire un peu situer. Donc, on est censé, et ce qui est aussi étonnant, c'est que mais la francophonie s'occupe de médiation, facilitation, elle s'occupe de quoi? Mais c'est la langue française, c'est la culture, elle est jouée ailleurs. Allez vous occuper de ce que vous êtes, c'est-à-dire de la langue et puis de l'éducation. Eh bien non. Depuis le début, depuis comment cette organisation a été pensée, contre la France, parce qu'il faut savoir qu'en 1970 et avant, le général de Gaulle ne voulait pas d'un machin supplémentaire qui d'une part allait coûter cher et d'autre part, réel politique, pragmatisme, qui allait brouiller les relations privilégiées de l'ancienne colonie avec son précaré. Mais comment faire encore de l'influence lorsqu'on va devoir conjuguer avec des Canadiens, avec des Belges et des Suisses? Comprenez-vous, c'est plus compliqué. Eh bien, grâce à Léopold Sédar Senghor, à Mani Diori, Niger, à également Habib Bourguiba, le Tunisien, et Sihanouk, le Cambodgien, cette agence de coopération culturelle et technique a vu le jour. Et dès l'origine, il y avait une mission de solidarité et de construction de la paix à travers un dialogue effectivement des civilisations et de la culture, dont le vecteur principal était une langue partagée, le français. Alors, je ne suis pas une experte technique, donc je n'arrive pas à enlever ce truc-là. J'espère que ça ne vous gêne pas, mais bon. Je ne sais pas comment faire. Je clique n'importe où. Sauf là où j'ai cliqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre aide. Voilà, alors soyez pas effrayés, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on fait, parce que encore une fois, il y a tellement de stéréotypes et de choses qui sont liées à la francophonie. Alors voilà, on fait ce qui est normal, hein, de l'éducation, de la formation, du développement, de la langue française. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il faut savoir que la francophonie, depuis plus de 30 ans, est engagée sur le renforcement de la gouvernance démocratique, des droits de l'homme, état de droit, le rôle de la société civile et, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, contribution à la prévention et à la gestion des conflits, l'accompagnement, sortie de crise, transition et peace building. Alors aussi, ce qui va nous occuper dans nos réflexions de l'audace, c'est les rapports évidemment d'une organisation intergouvernementale. Notre conseil d'administration, ce sont les États, c'est États et gouvernements membres. Alors comment gérer dans les questions de track 1, track 2, etc., les rapports avec la société civile et comment intégrer, on l'a vu vraiment, et je crois que ce n'est pas fashion ou trendy, c'est vraiment le rôle des femmes, des mères, comme acteurs et vecteurs de changement, de développement durable, mais aussi d'acteurs majeurs dans les processus de transition et de construction de la paix. Alors, le numérique, ceci dit, n'est pas anecdotique, parce que je crois que vous avez dû être confronté dans votre travail de facilitateur au meilleur et au pire sur l'utilisation des réseaux sociaux, hein, de la rumeur, de la contre-rumeur, de la manipulation et de la démanipulation. Alors, je crois que ça aussi, c'est une dimension qu'il faut intégrer dans les techniques et moyens de médiation, facilitation. Alors bon, ça c'est l'institutionnel, on est condamné, vous êtes condamné à avoir une minute de comment on fonctionne, la gouvernance. On a un sommet, donc c'est 80 chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent tous les deux ans. On a une conférence ministérielle, ce sont les ministres des Affaires étrangères. On a un CPF, ce sont les Sherpas, ce sont les représentants des États membres au plus haut niveau, qui sont généralement des ambassadeurs ou des Sherpas. La Suisse en a un. Hein, tous les pays membres délèguent un représentant de haut niveau. Et ça a son importance, vous allez le voir, en cas de crise. Et en cas de mobilisation de l'action politique de la francophonie pour être autorisé à prendre une décision. Évidemment, une analogie qui n'est pas modeste est celle du Conseil de sécurité. N'est-ce pas ? Alors, voilà. Donc, la francophonie, l'OIF, c'est ça.
C'est ça, c'est les États et gouvernements membres. Mais ce qui est intéressant aussi en termes de réseau et de complémentarité, c'est que la francophonie, ce ne sont pas que les États et gouvernements membres. Ce sont les parlementaires, ce sont les maires, donc les collectivités locales, ce sont les médias, TV5, et puis c'est une agence universitaire de la francophonie qui regroupe des réseaux d'expertise, des chaires qui sont dédiées pour certaines aux questions de peace building. Voilà, ça c'est la galaxie, l'architecture de la francophonie institutionnelle. Alors ce que je vous disais, c'est que on a une gouvernance, et à la tête de cette gouvernance, on a eu notre premier secrétaire général, qui a été Monsieur Boutros Boutros-Ghali, en 1997, qui a été nommé. Et puis en 2002, on a eu, pendant, je dirais, une chance, entre Monsieur Boutros Boutros-Ghali, qui a impulsé, qui a donné un élan formidable à l'action politique de la francophonie. En 2002, on a eu le président Diouf, l'ancien président du Sénégal, qui s'était distingué pour avoir quitté le pouvoir d'une manière à la fois extrêmement élégante et pacifique, et en respectant les règles de droit, de démocratie. Et nous avons eu la chance et le bonheur de l'avoir pendant 12 ans. Et on va voir combien ça a été une impulsion incroyable, de par, évidemment, son magistère. Vous savez, pour ceux qui travaillent en Afrique, je ne sais pas si c'est la même chose dans le Middle East et le Moyen-Orient, le rôle des aînés, le rôle des doyens. Et j'ai souvent tendance à dire que le président Diouf est le dernier des Mohicans, par son âge, par son magistère d'influence et par le respect de l'état de droit qu'il a exercé non seulement en tant que Premier ministre, ensuite en tant que président du Sénégal, et puis son influence à la tête de la francophonie et son engagement en faveur de l'état de droit, de la démocratie et des droits de l'homme. Alors, depuis tout récemment, et c'est le suspense, mesdames, nous avons une secrétaire générale, une femme. Et avec tout le respect que j'ai à cette nouvelle secrétaire générale, je dis souvent que c'est du 3 en 1 ou 3 en 1. Nous avons la chance d'avoir une femme qui a moins de 60 ans et qui est d'origine haïtienne et qui a fait sa vie de diaspora au Canada, où elle a accédé aux plus hautes fonctions puisqu'elle a été représentante de la reine d'Angleterre, gouverneure du Canada, ce qui est un peu caustique pour une secrétaire générale de la francophonie, mais voilà, et elle est multilingue, donc c'est vraiment une révolution copernicienne pour nous, et elle a nommé un numéro 2 qui est malien, et qui a fait toute sa carrière au niveau de l'UNESCO, et ministre de l'éducation et des langues, peut-être que certains d'entre vous connaissent, monsieur Adama Wan. Voilà, alors ce qui est intéressant, ça c'était un peu pour vous camper le décor, mais revenons à notre sujet, l'espace francophone et une approche politique de la médiation. Voilà la réalité de notre organisation. Voilà notre diversité. Nous avons des pays membres du G20, G10, et parmi les pays les moins avancés. Je demandais pourquoi l'Algérie ne fait pas partie de la francophonie, des membres de la francophonie. Merci beaucoup de cette question, puisque c'est le pays en nombre de population le plus francophone, même avant la RDC. Eh bien, pour des raisons historiques et politiques. Je dis souvent, et c'est caustique, que la francophonie est une famille et l'adhésion est volontaire. Donc, c'est au pays, évidemment, d'exprimer la volonté et le souhait de rejoindre la communauté francophone. Alors, il y a toute une difficulté. On prend 5 minutes. Pour les allers-retours du rapport francophonie et Algérie. En 2002, en 2001, était prévu un premier sommet de la francophonie en terre arabe ou musulmane, arabo-musulmane, au Liban. Et vous vous souviendrez que le 9 septembre 2001 est arrivé, et ce sommet donc a été repoussé d'une année. Et à ce moment-là, il y a eu un réchauffement entre la France et l'Algérie, une complicité entre le président Bouteflika et le président Jacques Chirac, qui avait conduit à l'invitation comme
invité spécial de l'Algérie au sommet de la francophonie, ce à quoi l'Algérie évidemment avait répondu positivement. Et en 2002, le président Bouteflika est venu et a assisté au sommet de la francophonie. Comme on est une famille, et ça c'est l'anecdote, on est beaucoup moins évidemment formel que l'ONU, et un invité spécial, normalement, n'a pas accès aux huis clos, parce que tout ce qui se fait entre chefs d'État, c'est 1 plus 1. C'est-à-dire le chef d'État et une personne de confiance. Uniquement les pays membres. Eh bien, cette fois-ci, la famille francophone étant tellement contente d'avoir la perspective d'agrandir avec cette énorme pièce manquante qu'est l'Algérie, eh bien le président Bouteflika a été invité même à participer aux travaux en huis clos. Et puis après, en 2002-2003, souvenez-vous, le président Sarkozy a fait voter une loi intitulée « L'aspect positif de la colonisation ». Vous souvenez ? Voilà. Eh bien, comme dans le tango, 2 pas en avant, 4 pas en arrière. Et il ne serait pas juste ni lucide de dire qu'évidemment le destin de la francophonie est dissociable des relations franco-monde. On est qualifié de petite ONU, hein. On a 80 pays membres. Alors ça indique effectivement, alors je vous ai dit diversité. Et puis, je reviens parce qu'au fil et au fil de toutes les interventions ces 2 derniers jours, et je pensais à ce matin, lorsque vous avez mis l'accent sur la difficulté de faire coïncider une culture, une tradition bédouine, avec une culture, une tradition sédentaire. Une culture, une tradition de fait orale, traditionnelle, et une culture peut-être plus occidentale, écrite. De faire aussi diversité des systèmes juridiques. Droit coutumier, droit germano-romain, Commonwealth, droit coutumier. Voilà la réalité de la diversité de l'espace francophone qu'il faut conjuguer évidemment aussi dans les approches juridiques, constitutionnelles, des théâtres, des opérations dans lesquelles les médiations, facilitations tiennent place. Alors pour j'ai mis le petit commentaire, ce qui date un peu, mais voilà, aussi la diversité et peut-être aussi puis les difficultés socio-économiques. Encore une fois, la majorité des pays d'Afrique subsaharienne sont parmi les pays les moins avancés. Eh bien voilà, c'est les statistiques, les chiffres, même s'ils datent un peu, vous donnent une idée de la conflictualité au sein de cet espace. Ça va ? Alors aussi, nous aussi on est dans la réelle politique. Pourquoi on est aussi omnubilé et présent dans la francophonie ? Eh bien aussi parce que c'est l'avenir démographique de la francophonie. L'Afrique et la francophonie sont indissociablement reliés. Il faut savoir qu'au niveau de la survivance de notre organisation, il y a un enjeu géographique. Là où on parle français dans le monde, c'est pas en Europe, c'est pas au Canada, c'est pas en Suisse. c'est en Afrique. Et on a un observatoire de la langue française qui fait des statistiques. Bon, elles sont discutées, mais toujours est-il que voilà où on parle le plus français dans le monde en 2014. Et voilà ce qu'on prévoit d'ici 2025, compte tenu du taux de démographie et d'autres facteurs. Voilà. Alors ça, c'est la présence de l'organisation où on est à travers le monde. C'est nos bureaux. Pour que vous ayez une idée de cette petite organisation, mais qui néanmoins essaye d'être présente sur les cinq continents. Alors je vais quitter la présentation PowerPoint pour arriver à vous dire aussi comment effectivement on fonctionne, quels sont nos instruments en termes de. Alors on est dans le droit mou, on est dans la soft law. Hein.
Alors on essaye effectivement au fil du temps de se construire un appareil normatif, un cadre de référence basé effectivement sur des principes de droit international et puis aussi avec des flexibilités qu'autorise le droit coutumier. Mais il faut savoir qu'en 2002, justement, à ce fameux sommet de Beyrouth, les États et gouvernements membres ont, parce que chaque sommet, nous avons une déclaration qui est plus ou moins différente, varie selon les thèmes, mais en 2002, les États et pays de la francophonie ont décidé vraiment, en tout cas, d'affirmer fortement la réalité, la dimension politique de l'organisation. Alors, je cite, « confirmant, renforcer le rôle de la francophonie en faveur de la consolidation de la paix, de la démocratie, des droits de l'homme, notamment en cas de crise ou de rupture de la démocratie. » Et ils ont aussi inscrit dans cette déclaration la vocation de l'OIF en tant qu'acteur dans la prévention et le règlement des conflits. Donc la chose était dite et actée au plus haut niveau. Alors, la charte de la francophonie, elle a été révisée, modifiée au fil des temps, 97-2005, mais elle a servi surtout à la création d'un secrétaire général qui est la clé de voûte du dispositif. Pourquoi il est important de le rappeler ? C'est parce que là aussi, la légitimité de l'action de la francophonie est en grandement tributaire de la stature de son secrétaire général. On n'est pas l'ONU, on n'a pas les budgets, on n'a pas les équipes. Pour l'anecdote, à Genève, on me demandait, mais vous êtes la représentante permanente adjointe de la francophonie. Oui, je suis la numéro 2. D'une équipe de combien ? De 2. De 3. Voilà. C'est un peu ça, la francophonie. Sans évidemment, et avec toute l'estime que j'ai et de mes collègues et des choses qu'on arrive à faire, c'est vraiment un rapport qualité-prix incroyable. Et on a des gens extrêmement dédiés, mais on est une petite organisation et je crois qu'il est honnête et lucide de le rappeler. Alors, la grande révolution, si j'ose dire, et le grand tournant de la francophonie a été la déclaration de Bamako, qui a été un long et très processus de co-construction. C'est très à la mode aujourd'hui, mais ça l'était moins en 2000, processus préparatoires en ateliers régionaux portant sur des thématiques très différentes, démocratie, cohabitation des différents systèmes juridiques, le rôle des médias. À Bucarest pour l'Europe centrale et orientale, au Cameroun pour les questions de tradition juridique, puisque le Cameroun est de tradition common law et germano-romain, etc. En essayant d'impliquer très en amont la société civile, et pour arriver en 2000 à Bamako à l'adoption d'une déclaration adoptée par les États. Et elle dit quoi ? Elle dit d'une manière très forte que bon, c'est très ambitieux, mais francophonie et démocratie sont indissociables. Et elle définit à travers des mécanismes et des principes d'intervention, voire de coercition, le mot peut faire sourire, mais enfin, les principes d'exercice de l'état de droit, de la consolidation de l'état de droit, l'engagement de la francophonie pour une vie politique apaisée, qui est une notion très particulière et très chère à la francophonie, et puis la promotion donc d'une culture démocratique intériorisée et le plein respect des droits de l'homme en faveur effectivement de la paix. Ça va ? Oui ? Bon. Oui ? Ça va, vous ? C'est pas trop académique, institutionnel ? Je fais de mon mieux hein, pour rendre ça vivant. Coup de théâtre. Les réserves. Tout cela ne s'est pas passé facilement. En 2000, la Tunisie était dirigée, présidée par M. Ben Ali. En 2000, le Vietnam était déjà, et depuis un certain temps, une république socialiste, avec un comité
politique assez restreint, puisque d'obédience communiste. Eh bien, comme dans tous les traités internationaux, bien qu'on parle d'une déclaration, deux pays, notamment ceux-là que je viens de citer, ont évidemment émis des réserves sur le chapitre 5 de cette fameuse déclaration qui prévoit un mécanisme d'alerte et d'intervention qui peut conduire à la suspension, voire l'exclusion des États membres en cas de violation grave et massive des droits de l'homme ou de rupture de l'état de droit ou de l'ordre constitutionnel. Mais aussi, spécificité de la francophonie, tous les textes, toutes les actions politiques sont prises sous le mécanisme de consensus. Depuis que la francophonie existe, il n'y a jamais eu de vote. Jamais, jamais, jamais. Ni pour des discussions sur l'acceptation de nouveaux membres. Je pense éventuellement au Qatar, qui a fait grande discussion en 2010. Ni sur les nominations, élections de secrétaires généraux. Je rappelle que au bout de 12 ans de magistère du président Diouf, pour la première fois, il y a eu une véritable élection, une course électorale entre différents candidats pour prendre le poste de secrétaire général. Ça n'a pas été facile, ça a même été quelquefois, je n'étais pas dans le huis clos de ces chefs d'État, mais des fois tendu. Mais il y a toujours eu cet esprit de famille francophone qui n'a jamais utilisé le vote ou en tout cas la loi du nombre. Tout se passe toujours par consensus. Alors, ce qui est intéressant aussi pour la francophonie, c'est que cette fameuse déclaration de Bamako prévoit une observation permanente de l'état de droit, du respect des droits de l'homme dans l'espace francophone. Ça veut dire aussi que, d'une manière induite, les États et les gouvernements acceptent d'être monitorisés, puisque nous devons rédiger et produire tous les 2 ans, 4 ans, un rapport de situation. Alors, évidemment, on ne le fait pas tout seul. Il faut savoir qu'on a une trentaine de MOU avec les organisations internationales et en premier lieu avec l'ONU, sous le chapitre 7 de la charte, cette fois-ci, chapitre 8, pardon, de la charte des Nations Unies, qui prévoit effectivement une coopération avec les organisations régionales, dont l'OIF. Ça va ? On passe au cas pratique. Ah oui, j'allais oublier cette fameuse déclaration de Saint-Boniface, pardon, de 2006. Donc, déclaration de Bamako sur démocratie et francophonie. Et puis, 6 ans plus tard, ah oui, pardon, il y a eu Bamako 2000, hein, au moment où, voilà, les conférences démocratiques, le multipartisme, l'Afrique de l'Ouest qui était aussi un champion. Avant le printemps arabe, il y a eu le printemps des mangues, le Bénin, les grandes conférences et le Mali aussi, évidemment, et la Côte d'Ivoire qui est un peu moins dans la facilité. Mais enfin, il y a eu tout ce printemps, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Il y a eu Bamako donc 2000, ça a été revisité en Bamako 2005 avec un texte additionnel qui n'a pas remis en cause les principes hein, d'intervention et mécanismes, mais qui a posé de nouvelles problématiques, dont évidemment l'émergence d'une société civile, le rôle des femmes, la question des médias, etc. D'autres problématiques qui se sont ajoutées, et puis la question omniprésente de l'indépendance de la justice et des autorités, pardon, et du judiciaire, et de la coopération juridique et judiciaire. Et puis en 2006, sous l'impulsion du Canada, une conférence sur les questions de sécurité humaine. Alors c'est vrai que depuis 10 ans, ça c'est à vous que je soumets la question, il y a effectivement une conscience que la question de médiation, prévention s'inscrit autour de deux piliers, l'alerte précoce et puis aussi une approche de plus en plus intégrée de sécurité humaine.
Alors en 2006, les États membres de la francophonie se sont réunis pour adopter une déclaration de Saint-Boniface pour demander à la francophonie d'être beaucoup plus impliquée en tant qu'organisation, mais aussi avec l'aide et le soutien de ces États, sur une réflexion, une intervention beaucoup plus constante et solide en matière d'alerte précoce et de sécurité humaine. Je dois vous dire qu'il y a une chose qu'il faut aussi rappeler, parce qu'on dit souvent la francophonie un peu molle. En 2004, avant l'Assemblée générale, lors d'un sommet qui a eu lieu à Ouagadougou, au Burkina Faso, en 2004, donc un an avant la grande conférence des Nations Unies, le sommet Millennium 2005, eh bien, la responsabilité de protéger avait été inscrite dans cette déclaration. Et encore une fois, adoptée par consensus en 2004. Alors voilà un peu balayé ce qui est fait notre cadre normatif, le référentiel de nos actions en matière de médiation et de facilitation. Alors avant de passer sur les cas pratiques, donc on fait du plaidoyer. On essaye de mobiliser des hautes autorités lorsqu'on a des messages politiques à faire porter. On mobilise aussi, lorsqu'on doit travailler avec l'ONU, le groupe de nos représentants, les pays francophones. On commence à compter à 80. Lorsqu'on arrive à mobiliser nos ambassadeurs, on commence à être entendu, même si on est transrégional, c'est-à-dire on n'appartient pas à un groupe, ce qui est une faiblesse et une force. Mais ce qui est extrêmement intéressant dans la dynamique là, des droits de l'homme, et puis même aussi à New York, on arrive à faire des choses intéressantes, c'est-à-dire faire dialoguer l'Égypte avec le Canada, par exemple sur les questions d'exclusion, inclusion en matière de mandat thématique, experts géographiques thématiques. On arrive à faire des choses assez étonnantes. On a réussi à faire un séminaire sur les droits de l'homme transrégional et puis peu à peu inclure les ONG et la société civile. Voilà ce qu'on arrive à faire quand on n'est pas prisonnier d'un bloc régional au niveau de l'ONU. Évidemment, on a des actions de concertation intra-francophone. Vous vous souvenez du slide avec les différents acteurs de la francophonie. La médiation n'appartient évidemment pas aux seuls États membres. Elle n'appartient pas non plus stricto sensu à la société civile. On parle de plus en plus de médiation parlementaire, par exemple. Donc c'est intéressant pour nous, organisation intergouvernementale, d'inclure les parlementaires, cette fameuse association des parlementaires francophones. Lorsqu'on parle de renforcement de capacité des femmes, des communautés locales, c'est intéressant de commencer à travailler avec l'association des maires francophones. Et puis quand on veut essayer de faire des messages de sensibilisation, c'est intéressant de travailler avec TV5 et tout ce qui est réseau de radio locale, qui est le principal média en Afrique dans les zones rurales, et également les réseaux sociaux, internet, blog, etc. Donc on s'appuie sur les médias francophones à travers TV5. Et puis, qu'est-ce que serait l'action politique sans l'action de terrain? Eh bien, nous avons un devoir de coopération et d'accompagnement de notre action politique à travers des actions de coopération qu'on décline sur les différents champs que vous avez vus. Alors, ça peut être du renforcement de capacité des institutions judiciaires. Ça peut être aussi... Vous allez m'aider? Je vous vois faire... Vous voulez donner un exemple? Ah bon, non, mais c'est pas ce que ça, mais... Non, mais ça peut être utile aussi. Ça peut être utile. Donc, des fois, les acteurs multipartites au conflit, les réunir autour, et c'est ce que fait IPC ici, etc., l'interculturel. Donc, on fait travailler notre direction de la diversité et du développement culturel. Ça peut être évidemment l'appui aux médias. La création de hautes autorités de régulation, puisque vous savez que l'exemple tragique du Rwanda, le rôle des médias extrêmement négatif, mais qui, lorsque il peut être cerné, régulé, peut être aussi positif,
en termes de sensibilisation et d'éducation. Ça peut être aussi la question genre et renforcement de capacité des associations féminines. Je pense à la Mano River au Guinée et Niger, qui a été fortement aidée pendant la crise de Guinée, qui a été tragique pour les femmes.